la clé du téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Il est parti. C'est trop tard. Chut, silence. Stop. Ne bouge plus. Je vais chercher cette clé, direct dans la chambre de cette bestiole, et après je nous sors tous de cet enfer. Plus vite, plus vite! Allez, allez! On bouge! Cours! Faut qu'on trouve un moyen d'aller là où vit cet enfoiré. Je me demande si ces sessions vous sont d'une quelconque utilité. Vous n'écoutez pas, et la situation est si... compliquée. Je dois vous quitter maintenant, Josh. Il est grand temps pour vous de comprendre qu'il existe de plus grands dangers en dehors de l'imagination morbide et déséquilibrée d'un gamin complaisant et vicieux. Tant de gens vous aimaient et tenaient à vous, étaient prêts à vous aider. Mais vous les avez tous repoussés successivement. Et maintenant, vous voilà seul. Mais vu la tournure des choses, ça ne devrait pas durer. Vous ne serez pas seul longtemps. Respirez, Joshua. Respirez. Désolé. Vous êtes mort! Non!
Ferme-la! Non! Vous êtes morte! C'est pas vrai. Il nous a manipulés. Ils vont adorer. Ils vont adorer quand ce sera fâché. Je reçois des ordres de personne. Non, vous ne pouvez pas me donner d'ordre. Vous ne pouvez plus me donner d'ordre maintenant. Josh, assurez. Ok. Ok. Oui. Nous n'avons plus de temps. Je vous crois. Je vous crois. Josh. Non, 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 non. Vous n'êtes pas arrivé. On était toutes seules ici. Non, non, non. Non, 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 non. Toute seule. Mais t'es là maintenant. Avec ta famille. Allez-vous-en ! Laissez-moi tranquille ! Laissez-moi ! Pourquoi tu nous as pas sauvés, Josh ? Pourquoi tu voulais qu'on meure ? Je voulais pas que vous mouriez. Je jure. Avec des chaînes. J'ai vu des trucs vraiment tordus. Wow. Ils se sont sûrement échappés quand tout a pété. Bien joué. Mike, c'est quand même pas ce que je crois. Merde. On dirait une tombe. Oh, oh merde, Mike, c'est Abbess. C'est sa montre. Quoi? Laisse-moi voir. Oh, oh regarde, il y avait une croix là. Allez, continuons. C'est bon, viens. T'es sûr? Je suis encore vivant. Ouais, tes dernières paroles. Oh, putain de merde. Je sens plus mes doigts. Ouais.
malade. Attends. Je crois que j'ai vu quelque chose. Josh! Je te prie pas. Hey, Josh? Josh? Mec? Non, je t'obéis plus maintenant. Ok. Mike! Josh! Vieux! Non, me frappe pas! Me frappe pas, pitié! T'étais parti loin, mec! T'étais complètement dingue! On ne pensait pas te ramener. Ok, allez, on se casse d'ici. Ok. Josh, est-ce que t'as la clé du téléphérique? Ouais. Tiens. Oh, tant mieux. Tu vois ça là-bas? Ça veut dire qu'il y a une sortie directe. Allez. Y a pas moyen que Josh arrive là-haut. Ok, si vous m'aidez, je peux rentrer pour dire aux autres qu'on va bien. Ouais. Ouais, d'accord. Tu ramènes Josh par là où on est passé et on se retrouve au chalet. Fais attention. Ouais, toi aussi. Allez, on y va, espèce de malade. T'étais pas obligé de frapper si fort. Ah, ouais. Je suis désolé pour ça, mec. Je croyais que t'avais tué Jess. J'avais tort. Comment t'as atterri en bas? Mike et moi, on faisait les cons et puis c'était... Quoi? J'en sais rien, j'étais près de la fenêtre et il y avait tout ce verre et puis la neige et puis ça bougeait si vite, merde. Et puis après, j'étais en bas. Non. Tu peux bouger? Oui. Allez, Jess. Regarde ça. On dirait un éboulement.
C'était moi. Quoi ? Je suis tombée à travers le toit. T'es tombée de si haut ? Putain. Au moins, t'es pas la seule. Quoi ? Eh ben, je suis tombée d'une putain de tour tout à l'heure. Tu plaisantes, là ?
Allez, ouvrez-moi! Les gars, merde, vous êtes là! Laissez-moi entrer! Sam! Oh. Merde, Mike! Oh putain! T'as une sale gueule! Ce sera bien pire si on traîne dans le coin. Allez! Sont nos chances de surveiller. J'essaie de pas trop y penser. Vas-y, cours ! Cassez-vous, allez, 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 allez ! Cours !
dirait qu'ils ne sont pas tous morts. Ok, on descend. Je sais pas comment le décrire. Au début, vous pensiez qu'il vous traquait. Quelqu'un d'autre du groupe avait eu cette impression? Oui. Est-ce qu'il serait possible qu'il l'ait tué? Quoi? Non, vous comprenez pas, vous comprenez pas. Mais s'il vous a attaqué? Il m'a sauvé la vie. Et je l'ai vu mourir. J'ai entendu Jessica, je sais pas comment ni pourquoi elle était là, mais je sais que je l'ai entendue. J'étais là, sur place, et j'aurais pu faire quelque chose. J'ai essayé de faire quelque chose. J'étais faible. Il pétait complètement les plombs. Il voulait nous faire du mal. Et j'ai cru que c'était lui qui avait attaqué Jess. J'ai cru qu'on était proches. Après que ses sœurs aient disparu, il est venu me parler. Il a dit que j'étais la seule personne à le comprendre. J'ai cru qu'on était proches. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un... Je vais bien. Vous savez, parfois, suite à un profond traumatisme... Je vous dis que je vais bien. Je l'ai planté et j'ai essayé de m'enfuir, mais je savais pas. Il faut me croire, je savais pas. Savoir quoi? Et planter qui? J'ai poignardé le psychopathe. Je savais pas que c'était Josh. Et en fait, c'était lui, le psychopathe. Sauf qu'on pouvait pas se douter que Josh avait toutes les idées flingues au bon sang. Écoutez-moi bien. Je m'en fous que vous me croyez ou pas, parce que vous finirez par le croire. Vous devez descendre dans les mines. Pour y chercher quoi, Sam? J'ai vu ce qu'il y a dans ces mines. Et je donnerais n'importe quoi pour oublier ça. Josh nous a aidés. Et puis... Oh putain... Cette chose... Vous voyez le Wendigo? Il est sorti de l'obscurité. Et il a... Comment dire? Je l'ai entendu hurler, je me suis barré. Ça aurait été stupide qu'on y passe tous les deux.